Bonjour tout le monde, bienvenue au cours de Pilates. Aujourd'hui, on va faire un full body. Donc, on va travailler le corps au complet et on n'aura pas besoin de matériel pour ça. Donc, si vous voulez aller partir la musique en même temps, vous avez juste à aller dans la description et cliquer sur le lien Spotify. Donc, je vous attends sur le tapis. Donc, on va commencer debout. On va aller mettre les mains derrière la tête. On va aller chercher une extension. Donc, inspirez, on vient ouvrir les coudes vers l'arrière. Et à l'expiration, on va aller chercher une flexion. Donc, on plie les jambes, rentre le nombril vers la colonne, laisse la tête aller vers le sol. Encore une fois, inspirez, venez étirer dans les épaules. On va chercher les coudes qui vont vers l'arrière. Et expirez, rentre le nombril, arrondis la colonne. Sans pousser sur la tête, on va faire ça encore deux fois. Inspire, on vient ouvrir. Et expirez, on arrondit. Dernière fois, inspire. Sans casser la nuque, lève le sternum vers le plafond. Et expirez, on arrondit. De là, on va faire des cercles, on va aller vers la droite. Donc, on vient chercher une petite flexion latérale. On passe par l'extension, on va de l'autre côté. Et on vient arrondir la colonne. L'autre côté. Inspirez. Et expirez, on vient chercher dos rond. On va faire ça une autre fois de chaque côté. Pensez à allonger la colonne avant de bouger. Et arrondi. Et dernière fois de l'autre côté. Expirez, dos rond. Et déroulez la colonne doucement. Descendez les bras. On va aller faire des cercles de bras. Inspirez jusqu'en haut. Levez les épaules vers les oreilles. Expirez, on descend encore. Inspire, amenez l'extension maintenant. Expire, descend, on va faire ça encore deux fois, inspirez, hop. Expirez, on relâche, dernière fois. Expirez, descend, good, on va aller au bout de notre tapis. On va inspirer, on va aller chercher cette extension-là à partir du sternum. Et à l'expiration, enroule par la tête. Laisse aller le poids du corps vers le sol. Relaxez complètement la nuque et de là, marchez doucement les mains pour venir dans une planche. Donc, soit une demi-planche, genou au sol, sinon planche complète. On va inspirer ici, pensez à aligner la tête avec votre colonne. Donc, laissez pas la tête tomber vers le sol, pensez à rentrer le nombril et à pousser dans les mains. On va rester encore pour 5, 4, 3, pensez à fermer les côtes, 2. Un, on repousse, on revient les fesses vers le plafond. Venez chercher l'étirement, vous pouvez plier une jambe à la fois, inspirez. Expirez, on arrondit la colonne, pousse dans les orteils, une vertèbre à la fois pour venir dans notre colonne longue. Inspirez ici. Expirez, fesses vers le plafond. On reste pour une inspiration, expirez, pousse dans les orteils, arrondis une vertèbre à la fois. Reste dans la planche, inspire. Expirez, fesses vers le plafond. À nouveau, on fait ça encore deux fois. Pousse dans les orteils, venez chercher une planche complète ou demi-planche avec les genoux au sol. Retournez, fesses vers le plafond. Dernière fois. Et de là, laissez aller le bassin légèrement vers le sol. Venez chercher une extension, mais en gardant vos abdominaux engagés. Et expirez, repoussez, fesses vers le plafond. Inspirez à l'expiration, on retourne en planche, mais cette fois-ci, on va descendre jusqu'en bas en 5 secondes. Coude vers l'arrière pour 5, 4, 3, 2, 1. Good. Et venez déposer vos coudes au sol. Venez chercher un petit sphinx pour aller étirer. Attention aux épaules, on pousse dans le plancher. Gardez le nombril décollé du sol. Et expirez, on va venir se repousser pour venir dans une position de l'enfant, front au sol. Respirez ici. Expirez, déroulez la colonne. Good, et on va venir se placer sur le dos. On va aller faire une centaine. Donc, une centaine d'exercices d'abdominaux, ça va bien nous réchauffer pour commencer. Donc, vous allez avoir les bras de chaque côté. Il y a deux options. Soit que vous gardez les jambes pliées à 90 degrés ou pour une version un peu plus avancée, gardez les jambes allongées. Donc, on va faire des pulsations avec les bras. On va inspirer pour 5 et on expire pour 5. Imaginez que vous pesez sur des ressorts.
Donc, à l'expiration, on rapproche le sternum du pubis, on rentre le nombril vers la colonne. Allongez les jambes si vous voulez. Et on y va, on inspire pour 1, 2, 3, 4, 5, expire. 2, 3, 4, 5, inspire. 2, 3, 4, 5, expire. 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 3, 4, 5, expire. 2, 3, 4, 5, à moitié. 2, 3, 4, 5, expire. 2, 3, 4, 5, expire. 2, 3, 4, 5, expire. 2, 3, 4, 5, on lâche pas. 2, 3, 4, 5, expire. 2, 3, 4, 5, expire. 2, 3, 4, 5, expire. 2, 3, 4, 5, dernier. 2, 3, 4, 5, expire. 2, 3, 4, 5, on reste pour inspirer. Expirez, on monte un peu plus haut. Expirez, ramenez les jambes vers vous. Balancez doucement d'un côté à l'autre. Et on va enchaîner tout de suite avec d'autres abdominaux. Donc, jambes à 90 degrés. À l'expiration, on va soulever la tête à nouveau. Donc, on rentre le nombril, rapproche le sternum du pubis. On vient plier la jambe droite, on allonge la gauche. Puis, on va venir presser dans notre jambe sur nos mains. Expire, on change. Donc, vous allez sentir la différence quand vous pesez de l'engagement de vos abdominaux. Si vous avez trop de tension dans la nuque, mettez les mains derrière la tête et faites le même mouvement. Mais sinon, vous pouvez penser à relaxer un peu plus le menton vers votre sternum, ça va aider. Donc, on en fait encore pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Reste ici, inspire, pousse dans la main. Expire, on change, reste pour inspirer. Ramène les deux jambes ensemble, presse dans les mains. Expire, descend la tête au sol. Ramène les jambes, petit rond maintenant avec les jambes pour aller délier dans les hanches. Inverser les cercles. Good, on va aller mettre les mains derrière la tête. Cette fois-ci, jambes vers le plafond. Expirez, on soulève la tête, le menton vers le sternum. On rentre le coccyx, on serre les deux os des fesses, on descend les jambes. Inspirez, on remonte. On pense à plaquer le nombril vers la colonne. Et on va faire ça encore pour 5. Expirez pour 4. Encore 3. 2, contrôlez le bassin. Et 1, donc s'il faut descendre un petit peu moins bas. Good, alors reste ici en haut. Dépose la tête, vous pouvez garder les mains derrière la tête et juste aller piquer les orteils vers le sol. Donc on soulève les fesses, hop. Encore, pousse. On va faire ça encore pour 8. 7. 6. Donc, on utilise la force de nos abdos pour soulever le bassin. Encore pour 4. 3. 2. Et 1. Good. Ramène les jambes. On enchaîne avec le criss-cross. Donc, on va aller travailler les obliques. À l'expiration, on va aller vers la droite. Donc, plie la jambe droite, allonge la gauche. Expirez, on change. Inspire, expire. On garde le bassin au neutre, la torsion elle vient des thoraciques. Encore pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On va rester vers la droite, inspirer. Expire, on change. Reste pour inspirer. Expire, change à nouveau. Côte vers l'os de la hanche, on change. Et de le ramène, descend la tête au sol, good. À l'expiration, on va ressoulever le tronc. Donc, pensez à rentrer le menton en premier. On soulève, on allonge les jambes et on vient juste bouger les bras. On ouvre les bras, en T, et on ramène. Et ouvre, ramène, on fait ça encore pour 3. Levez les jambes si vous sentez que le dos veut cambrer. 2. Et 1. Ramène les jambes ensemble. Déposez la tête au sol et on va juste faire des petits cercles. Allez relaxer dans les hanches, dans le bas du dos. On inverse de l'autre côté. Good, et on va aller déposer les deux pieds au sol, talons alignés avec les ischions. Mon petit chien qui dort. Fait que vous allez mettre les mains au sol.
À l'expiration, on va rentrer le coccyx. Donc, on fait une bascule du bassin et on vient chercher notre pompe. Donc, on ne veut pas que les côtes soient ouvertes. On garde nos côtes fermées et on redéroule une vertèbre à la fois. Encore une fois, en gardant le haut du corps relax, donc visage, cou, expire, on monte. On vient chercher toute l'ouverture dans le devant. On vient engager l'arrière, la chaîne postérieure. Déroule jusqu'en bas. Encore une fois, expire, rentre le coccyx. Reste en haut, inspirez. Expire, redéroule une vertèbre à la fois. On va en faire encore deux comme ça. Expirez, prenez le temps de bouger une vertèbre à la fois. Inspire en haut. Expire, déroule. Dernière fois, rentre le coccyx, serre les deux os des fesses, on monte. De là, reste en haut pour inspirer. On va venir soulever la jambe droite par le plafond. Et de là, on va dérouler une vertèbre à la fois. On va garder la jambe droite dans les airs. Expirez, on va monter. Reste en haut, inspire. Expire, redéroule. On va faire ça encore trois fois. Rentre le coccyx. On essaie d'avoir les deux hanches à la même hauteur. Et déroule. Good. Gardez les épaules. Relaxe. Encore deux. Expire, on déroule. Et un dernier. On va rester en haut. On va venir allonger la jambe vers le plafond. Pointe le pied. Et on va venir pousser comme si on voulait aller toucher notre gros orteil vers le ciel. Encore pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Descends le pied droit au sol. Soulève la jambe gauche. Expirez, on déroule. Dépose complètement le bas du dos seul. Expire, on remonte. Reste en haut, inspire. Expire, déroulez. Good, on va en faire encore trois. Expire, on monte. Et prends le temps de dérouler. Assurez-vous que le talon n'est pas trop près de vos fesses. Encore pour deux. Déroule, genou aligné avec les orteils. Expire, dernier. Reste en haut. Allonge la jambe vers le plafond, pointe, et on pousse, hop, hop, encore pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dépose le pied au sol, inspirez, et expire, prends le temps de dérouler jusqu'en bas. Good, et de là, allongez vos jambes, pour les besoins de la cause, je vais ouvrir un petit peu mes jambes plus larges. Inspirez, bras vers l'arrière. À l'expiration, on va faire un roll-up. Donc, on amène le menton vers le sternum, tire les bouts de doigts vers l'avant. On vient s'étirer devant, on inspire. Un petit stretch devant. Expirez, déroule, colonne longue et expirez, enroule jusqu'en bas. Good. Si c'est facile pour vous avec les bras comme ça, essayez-le avec les bras ici. Les mains qui vont chercher les omoplates. À l'expiration, on monte. Allez, vous étirez devant, inspirez. Expire, déroulez la colonne. Et expirez, on enroule, épaules larges jusqu'en bas. On va en faire encore trois comme ça. Expire, rentre le menton. Prenez toute l'expiration pour monter jusqu'en haut. Étire devant, inspire. Expire, déroulez. Jusqu'en bas. Encore pour deux comme ça. Donc la première partie, c'est nos abdos qui nous aident à monter. Et ensuite, c'est le psoas qui prennent la relève. Expire, on monte. Expirez, déroulez jusqu'en bas. Relaxez les épaules. On va en faire un dernier comme ça. Expirez, on monte. Renflez nos pieds vers la colonne. Et on va venir s'étirer devant. On va rester ici pour trois respirations. À chaque expiration, pensez à laisser tomber la tête vers le sol. Expirez, déroulez la colonne. Good. Et on va aller mettre nos mains derrière les fesses. On va aller travailler les triceps. Donc, on va soulever le bassin.
doigts vers les fesses, idéalement. Si c'est plus confortable pour vous, vous pouvez aller chercher un petit angle sur le côté. On va aller plier les coudes vers l'arrière. Donc, à l'expiration, on plie. Et on allonge. Fait que pensez pas tant à descendre le bassin que juste plier les bras. On va en faire encore pour 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Et 1. On reste ici. De là, ouvrez les doigts un petit peu plus vers l'extérieur. Et on va aller toucher main droite à jambe gauche. Donc, on vient toucher et on ramène. Touche la gauche et ramène. Ça peut être juste de soulever une jambe aussi, si c'est trop d'aller décoller la main. Et change. Encore pour 4, 3, 2 et 1. De là, on va reculer. On fait la marche du crabe. Donc, on recule vers l'arrière, 4 pas. Et on réavance vers l'avant. Donc, bras et jambes opposés, recule. Et avance. Good, encore, on recule. Et avance. Garde les doigts vers les fesses. On refait 10 push-ups. Coude vers l'arrière pour 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4, 3, 2, 1. Respirez, on ne lâche pas. Doigts vers l'extérieur. On va aller retoucher jambes opposées. Donc, viens toucher la jambe. Et ramène. Ou faites juste la jambe sans faire le bras. Hop. Ramène. Fait qu'on vient faire un petit twist avec le haut du corps. On en fait encore pour 4, 3, 2. Et 1. Et redépose les fesses au sol. Good. Allez chercher un petit papillon ici, avec les pieds collés ensemble. Puis on va juste aller tirer un peu les bras. Pensez à garder la colonne longue. L'autre côté, venez ouvrir pour aller croiser les bras droits devant. Et on va aller faire bras en haut. Venez chercher le coude, petite flexion vers la droite. Et on change, allez chercher coude gauche. Coude droit, pardon, flexion vers la gauche. Good, et on relâche. Allez loin avec votre colonne. Allongez la colonne, allez loin devant. Déposez les bras de chaque côté. Restez ici pour 5 grandes respirations. Expirez, redéroulez la colonne. Et venez déposer vos pieds au sol. On va aller faire des demi-roll-up. Donc, jambes pliées. À l'expiration, on rentre le coccyx. Et on remonte. On ne va pas remonter jusqu'en haut, jusqu'à avoir la colonne allongée. On va garder toujours notre bascule du bassin, notre C-curve. Donc, on descend un petit peu et on remonte tout de suite. Descend et remonte. Pense à rentrer le nombril vers la colonne. Remonte et descend. Et hop, on fait ça encore pour 4. Encore pour 3. 2. Et 1. On va rester ici, genoux ensemble. Donc, venez chercher une petite rotation interne et on va juste ouvrir les bras et on ramène devant. Donc, on vient chercher un petit V et on ramène juste ça. Et haut. Vous devriez sentir vos abdos brûler légèrement. Et on ouvre. Et ramène, on fait ça encore pour 4, 3, 2, 1. Descend jusqu'en bas. Et allez vous tourner sur le ventre, on va aller faire des extensions. Donc, vous pouvez mettre les jambes largeur du tapis. Front au sol, on va aller mettre les bras vers l'arrière. À l'expiration, on va penser à plaquer le pubis dans le plancher pour engager les fessiers. Soulève. Et on redescend tout de suite. Donc, à l'expiration, on monte, on engage les abdos, les fessiers. Inspirez, on redescend.
Encore, pensez à mobiliser dans la colonne thoracique. Et descend tête dans le prolongement de la colonne. Cette fois-ci, on va se soulever. Puis on va venir comme si on voulait aller toucher avec notre main droite, notre pied droit. Donc une petite flexion latérale. Et ramène au centre. Vers la gauche. Et ramène. Encore une fois, à droite. Ramène au centre. Et à gauche. Ramène, redescend jusqu'en bas. On remonte. Expirez. Rentre le nombril. Plaque le pubis au sol. Même chose, mais on va faire une torsion. Fait qu'on vient chercher la main vers le pied, mais en allant regarder vers notre pied. Ramène. Et l'autre côté. Fait que c'est une petite flexion latérale avec une torsion. Reviens. Et l'autre côté. Ramène de là. Amène les bras de chaque côté du visage. Et on va venir allonger les bras. Et on vient plier les coudes ici. Fait que comme si on nageait, allonge les mains. Viens ouvrir légèrement pour venir plier. Gardez votre extension. Allonge. Sans monter les épaules dans les oreilles. On fait ça encore 3 fois. Respirez pour 2. Et 1. Montez les jambes le plus haut possible. Gardez les coudes pliés. Inspirez. Et expirez. Redescendez au sol. Venez reculer les fesses sur les talons. Pour aller faire un dos rond. Prenez une inspiration ici. Expirez, redéroulez la colonne. Et on va venir se coucher sur le côté droit. On va aller refaire d'autres triceps, suivis de quelques exercices pour aller faire nos fesses. Donc en fait, vous allez avoir la main droite sur vos côtes gauches. Et la main gauche va être au sol. On va vouloir aller, la jambe du dessous est pliée, on va vouloir aller plier notre coude et allonger. On va faire ça encore pour 7. Et 6. Encore pour 5. 4. 3. 2. Et 1. Good. Descendez complètement au sol. Imaginez que vous êtes couché sur une règle, donc les deux jambes allongées. On va venir pousser dans la main, on va vouloir soulever les deux jambes du sol. Donc à l'expiration, on engage les abdos, soulève les jambes, garde le tronc au sol pour l'instant et descend. On vient soulever et descend. On va faire ça encore pour 8 et 7, encore pour 6 et 5, 4, 3, 2. Si vous perdez l'équilibre, avancez les jambes un petit peu devant. 1. Good. On fait la même chose, mais on soulève le tronc en même temps. Hop. Et descend. Encore, on lève. Hop. Et descend. On fait ça encore pour 3. Expirez pour 2. Et 1. Good. Puis la jambe du dessous et de là, venez allonger le bras. À l'expiration, on va aller soulever la jambe, on vient toucher et on redescend. Encore. Hop! Descend. Assurez-vous que les abdos sont engagés. On fait ça encore pour 8. Et 7. Encore pour 6. 5. 4. On est en rotation neutre avec notre jambe. 3. 2. Assurez-vous que l'épaule est loin de l'oreille. 1. On va rester ici. Presse dans votre main. Fait qu'on vient presser notre cuisse dans notre main, on pousse pour 10, 9, 8, donc petite résistance, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Venez chercher la rotation externe et on fait la même chose, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et relâche, venez sur le dos. On va aller tirer la fesse droite, donc venez, la fesse gauche, pardon, venez mettre la jambe que vous venez de travailler par-dessus.
balancer d'un côté à l'autre. Vous allez venir mettre les deux jambes à 90 degrés. On va enchaîner avec 5 teasers. Donc, les bras vers l'arrière. À l'expiration, rentre le menton. Et venez chercher le teaser. Donc, soit les jambes allongées ou jambes pliées. Expirez. On retourne vers l'arrière avec les bras. On en fait encore pour 4. Tire les bouts de doigts vers l'avant. Reste pour inspirer. Expire, on redescend. Encore pour 3. Redescendez avec contrôle. Encore pour 2. Un dernier. Et de là, redescendez pour aller vous tourner de l'autre côté. Pour aller faire le côté droit. On va venir installer la main gauche sur les côtes à droite. Main droite au sol. La jambe du dessous pliée, l'autre jambe peut être allongée et on vient plier le coude. Et on allonge. On plie. Et allonge. On en fait encore pour 8. 7. Encore pour 6. On lâche, puis il en reste 5. 4. 3. 2. 1. Good. Et on vient se coucher complètement sur le côté. On va commencer par les deux jambes en même temps. On presse dans la main, on vient soulever les jambes et descend. Encore. Activez les abdominaux avant de bouger. 8. Encore pour 7. 6. 5. 4. 3. 2. Un, on va soulever le tronc en même temps. Pousse dans la main. Hop. Et descend. On peut pousser dans la main qui est au sol, le bras allongé aussi. Hop. Descend. On fait ça encore pour 3. 2. 1. Ah, j'ai oublié l'autre. Bras. On va aller toucher bras et jambes, on lève la jambe en gardant la rotation neutre et on descend. Et on soulève. Et descend. Et encore pour 8, pensez à venir chercher loin avec le bras pour sentir l'étirement. 7. Encore pour 6. 5. 4. 3. 2. Un, restez ici, presse dans la jambe pour 10. 9 dans la main, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Un, rotation externe à partir de la hanche. On suit la direction des orteils, on pousse pour 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On peut aller se tourner sur le dos pour aller tirer la jambe qu'on vient de travailler. Pieds flex pour protéger les genoux. Allez bouger d'un côté à l'autre. Et à la prochaine expiration, on va aller rouler. Donc, on va faire un roll like a ball. On va aller rouler pour aller chercher notre équilibre sur les fesses. On va essayer de ne pas toucher les orteils au sol. Donc, à l'inspiration, on roule vers l'arrière. Rentre le menton. Expire, on vient en équilibre. Relaxez les épaules. Inspire, on roule. Expire, on remonte. Encore. Inspire, roule. Remonte. On va faire ça encore deux fois. Serez-vous de renvoyer la tête vers l'arrière. Et le prochain, on va essayer de monter jusqu'en haut. Donc, on roule et on monte directement jusqu'en haut. Inspirez. Expirez. Retournez vers l'arrière. Et on remonte. Vous pouvez aussi croiser une jambe devant l'autre. Ça peut vous aider à monter. Comme ça, on va en faire encore pour deux. Et on va en faire un dernier.
Good. Et on ouvre les bras. Si vous êtes encore en bas, vous pouvez trouver une manière de remonter jusqu'en haut. Il n'est pas facile celui-là. On va finir par un petit exercice qui va travailler l'équilibre. Donc, on va aller travailler notre avion. Donc, les pieds, largeur des hanches. À l'expiration, on va penser à soulever la jambe droite du sol. Et plus la jambe droite monte, plus notre corps va descendre. Donc, on veut essayer d'aller chercher une ligne droite. Si vous avez besoin, prenez le mur à côté ou une chaise. On va aller plier la jambe de support à l'inspiration. Expirez, on allonge. Encore une fois, inspire, on plie. Expirez, on allonge. On essaie de garder les orteils qui pointent vers le sol. Inspire, plie. Et allonge, on va ajouter les bras. Amène les bras vers l'avant. Expirez, on allonge. Ça va travailler tous les petits muscles aussi dans votre dos. Allonge, on va faire ça une dernière fois. Inspire, plie. Expire, allonge et on ramène avec contrôle jusqu'en haut. Avec le plus de contrôle qu'on peut. Et on va aller chercher de l'autre côté. Jambe gauche. Orteil qui pointe vers le sol. On vient plier à l'inspiration. Assurez-vous d'avoir vos abdominaux engagés. Inspire, on plie. Expire, on allonge. On regarde vers le sol pour ne pas avoir la nuque cassée. On ajoute les bras, inspire, on plie. Expire, on allonge bras derrière. Encore deux fois, inspire, plie. Expire, on allonge. Dernière fois. Avec le plus de contrôle possible, on ramène jusqu'en haut. Good, et on va venir chercher la même position qu'au début. Main derrière la tête, inspire, on vient ouvrir. Expirez, arrondi, pliez les jambes. Laissez aller la tête d'un côté à l'autre. Encore deux fois, inspire, on ouvre. Expire, coude qui rentre. Flexion de la colonne, dernière fois, inspirez, on ouvre. Et on va finir en ouvrant les bras de chaque côté. Et vous avez terminé. Merci beaucoup tout le monde d'avoir fait cet entraînement avec moi. N'oubliez pas d'aller liker la vidéo si vous avez aimé et de vous abonner à ma page. On se revoit très bientôt.